Et yop, tout le monde, c'est Vnectin et on se retrouve pour l'épisode 2 sur la survie ultra hardcore. Donc toujours sur notre petite île après un petit moment d'attente. J'ai attendu que ce foutu blé pousse. Donc on va aller voir là-bas s'il y a un petit peu d'herbe, si je peux aller en carotte un petit peu. D'ailleurs, il va faire nuit, je crois. Fuck you, on va aller là-bas, j'aimerais choper des moutons en fait. Mais ça a été extrêmement long. En plus, des fois, ça me lootait qu'une graine, donc j'ai quasiment que dalle de blé. J'ai un petit peu de pain en rab, mais pas grand-chose de plus. J'ai réussi, par exemple, voilà, à activer Inventory Twigs qui n'était pas activé. J'ai également foutu, bam, Not Enough Item. Pour avoir les crafts de certains trucs, vu que je connais pas tous les modes, notamment les guns et tout. R. Bon, on voit pas les crafts de tout, mais pour la plupart, je me renseignerai après. Voilà, du coup, pour ça, vous voyez qu'il y a vraiment pas beaucoup d'items en plus. Si on regarde, même avec Chisel, il y en a pas forcément énormément en plus. Voilà, du coup, ouais, les trucs, il y a ça là, que j'ai des trucs comme ça. Donc voilà. Pas des trucs trop énormes. La nuit tombe. Entre-temps, je me suis fait... En fait, je me suis pas fait... J'ai flippé assez. Je sortais. Il y a un élémentaire d'eau qui a spawn. Je sais pas où. Je crois qu'il doit spawn dans la flotte. Ou alors il y a un endroit... Je crois que si maintenant je fais F7... Non, F7 c'est pour Dynamic Light. Faudrait que je vois si je peux avoir les... Les zones de spawn, normalement, je crois que c'est avec Not Enough Item. Donc j'évite de sprinter trop. Je crois que c'est avec Not Enough Item, mais bon. Éviter les zones de spawn parce que c'est vraiment chaud. Donc je me suis planqué, il a des pop tout seul. Donc je sais pas comment il est arrivé là, mais bon. Du coup, aussi, on m'avait dit dans les commentaires de réactiver le smooth lighting parce que ça faisait moche. Le problème, c'est que le smooth lighting, je l'ai activé. Enfin, il était déjà activé. Et il n'y a rien de plus. Enfin, je trouve pas qu'il y ait des trucs trop moches. On voit quand même que le smooth lightning, je crois, c'est pour les ombres. On voit quand même que c'est assez diffus ici. On voit qu'il y a une ombre. Pareil au niveau des arbres. En fait, je sais pas. Ça fait pas des gros carrés, quoi. Donc, je sais pas. Du coup, j'ai miné un tout petit peu juste pour finir mon stuff. Donc, il me manquait un casque, des chaussures et une épée. Donc, j'ai pile poil, c'est ça qui est cool. Donc, je vais me faire une épée parce que quand on tombe sur des mobs, c'est vraiment pas cool. Hop. Voilà. Donc, j'ai une épée en fer. Ma pioche en fer est presque KO. Du coup, ça c'est un petit peu moins bien. Et du coup, je pense qu'on va retourner dans la grotte juste le temps que le jour il se lève. Parce que j'aimerais aller choper des moutons. D'ailleurs, des moutons par là-bas. Enfin, il y a intérêt d'en avoir. Sinon, il faudrait que j'aille là-bas. Je suis pas allé là-bas. Enfin, je me souviens plus. Je sais plus si je suis allé là-bas. Bref. Donc, je vais éviter de sprinter. On va économiser notre nourriture. Surtout que dans les grottes, il y a des bruits bizarres. Il y a une grotte qui est pas très loin. J'entends des mobs crier des bruits assez chelous. Du coup, ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur toute cette histoire. Et voilà, c'est mieux. Parce que j'avais pas mon micro-casque muté. Du coup, j'entendais un gros pshhh. Et du coup, c'est assez stressant. Du coup, j'avais commencé à miner par là. J'ai fait un truc absolument pas opti. J'étais parti dans l'optique de choper un petit peu de fer le plus rapidement possible. Donc, j'évite de minerai ce minerai à la con là. Qui me fait vachement descendre ma vie. Le temps que j'ai plus de nourriture. Donc là, on entend de la lave. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Là-bas aussi, il y a beaucoup de lave. Si je m'avance, vous allez voir ça. Juste au-dessus, il doit y avoir un lac de lave. Ouais, juste au-dessus, il y a un lac de lave. Oh, ici, il y a du gravier. C'est un petit peu moins cool. Et donc, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé. Ça va faire. J'ai sorti l'épisode quand? Ça va faire une semaine. Je vous avais parlé de mon antenne en fait, l'internet par satellite et de mon téléphone qui sonne, évidemment. Hop là, voilà, il sonnerait plus. Un petit peu de fer, c'est toujours ça. On crache pas dessus.
Voilà, comme ça, je pourrais me refaire une nouvelle pioche, cool, encore plus. Et que j'ai pas encore reçu, je devrais la recevoir demain, lundi normalement. Et après, ma ligne est activée qu'à partir du 5, donc je pourrais avoir internet qu'à partir du 5, donc j'ai hâte de voir si ça marche. Si ça marche, 6 mégas d'upload. Le gars, il va parler de ça que dans ses vidéos. Non, on va pas aller là, on continue par là-bas. Allez! Allez, Modafoka! Donc celui-ci, on va le save. C'est bon. Pas de la vie ici. Oh! 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 Allez, 5 diams. Oh, 5 diams, c'est ce qu'il faut pour une table d'enchant et une pioche en diams. 5 pile poil. Ah, ça c'est vraiment cool. Ça évite de tomber sur 2 diams ou 4 diams pour bien faire chier. Allez, ça c'est vraiment, vraiment super cool. Du coup, je vais pouvoir me faire un saut aussi. Aussi, j'ai changé le texture pack parce que j'ai les bugs de. En fait, là, je vais voir un record si c'était à cause d'OBS ou pas. Mais je vais éviter de courir une fois de plus. Les petits bugs de trucs, j'ai l'impression, en fait, ça venait du texture pack. C'est complètement con, j'ai changé, donc là j'ai foutu le. Non, même pas. D'ailleurs, pourquoi? Même pas, ça s'est enlevé, mais je voulais mettre le Redcraft. Pourquoi il s'est pas save? J'en ai aucune foutre idée. Voilà. Vous me direz si vous aimez ou pas. Non, en fait, je le voyais pas comme ça. Ah, c'est pas cette version-là que je voulais. Ça, c'est la version height definition. Ah, fuck you, je me suis fait piner. Oups. C'est lequel celui-ci? Moi, c'était. Il y en avait un qui changeait. J'ai juste les armes un petit peu. Ah, ben non, bah, apparemment, ça a été débugué les bugs de lumière, vu que j'en ai pas eu. Jusqu'à présent, donc. Hop. Donc on voit déjà que ma nourriture a descendu, voilà, on va manger du pain. Hop. Du coup, aussi je vous ferai peut-être une ou deux vidéos. J'ai gagné une clé bêta pour Heroes of the Storm. Oui c'est ça. Putain, il fait nuit. Toujours. Il fait toujours nuit. Oh, super. C'est un corbeau. Donc déjà on va se faire ça. Allez, il n'y a pas de succès pour ça? Bref. Oh fuck you, non. Et moi qui parle, qui ai plus de bugs, et là on en a un gros. Oh fuck, 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 fuck. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça vient des shaders. J'ai enlevé les shaders pour voir. J'ai regardé, j'étais chargé la dernière version du shader pack et tout, je l'ai changé. Mais c'est vachement bizarre que ça me fasse ça. On verra si ça en fait sans les shaders. Ah, c'est moins classe de suite, hein. Bref. Ça, on va se faire un seau d'eau. Et si je chope de la lave, je lui fous de la flotte sur la tronche. Et puis, elle est où la lune? Et donc, du coup, une clé pour Heroes of the Storm. Donc, c'est le MOBA de Blizzard. Je l'ai testé. J'avais déjà vu beaucoup, beaucoup de streams. Ça fait plusieurs mois que je regarde des streams dessus. Et des vidéos et tout. Et honnêtement, ça me plaît vraiment beaucoup. Plus que LOL. En tout cas. Donc voilà, on verra si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que j'en fasse plus. En tout cas, moi, si j'ai une bonne connexion, j'y reviens encore. Vous aurez des streams dessus, ça c'est obligé. Faut aussi que je continue, j'avais streamé du Green Fandango. Grim Fandango, je dis tout en green. Faut que je continue, j'ai pas eu trop trop le temps là cette semaine. J'ai eu pas mal de boulot. Pas mal de boulot et j'ai beaucoup geeké CSGO. Je suis passé Nova, donc je suis content. Donc la lave, elle doit être à ce niveau-là à peu près. Et du coup, j'ai geeké, mais vraiment comme un gros porc. Je suis passé Nova, très très content. Et pour le coup, j'ai sneaké. Ce serait bête de mourir dans la lave maintenant. Attends, j'ai ça. J'ai cru que j'avais oublié ma pioche. La lave a l'air d'être plus par ici.
Mais c'est pas possible. Elle est où cette lave? Ah, mais t'es sérieux? Deux cœurs ça enlève, j'ai oublié que ça enlève autant. Punaise. C'est pas au-dessus, moi. Oh, mais non, c'est buggé. J'ai une glitch. What? Elle est où cette lave? Je reviens sur mon truc. What the fuck? Du fer, tant mieux. L'autre part là? Ah! Ah! Wow, c'était absolument magique! Ce méga bug. Oh là 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 là. Et c'est. Comment je peux avoir des bugs comme ça? Quel mode peut faire bugger comme ça? Je sais vraiment pas, peut-être dans mes réglages, dans mes vidéo settings. Mais le problème, smooth lighting, oui, donc voilà, il est au maximum. Peut-être si je baisse le brightness. Je vois pas d'où. Le fog, déjà, on l'enlève, j'ai oublié de l'enlever. What? Ok, d'accord. Donc déjà on va éviter... Il n'y a pas du diamant par là-bas? Oui, j'X-ray complètement. What, il y a des dragons là, c'est quoi ces trucs? What the fuck? Je crois que c'est ça que j'entendais crier, j'entendais des... Chah-chah! On va éviter d'aller là-bas. Bref, oui. Ah! On les a entendus un coup. Donc, faut absolument torcher, éviter que ces saloperies spawn. Parce que ça. C'est. À mon avis, ça doit. Ah, fuck you! Ah, mais c'est buggé. Hein. C'est vraiment buggé du cul. Pourquoi ça me fait ça? Ah, mais là, c'est de pire en pire. Hein. J'ai l'impression que. What? Ah ouais. Oula. On va éviter d'aller là-bas aussi. Pourquoi ça fait comme ça? Ah mais là je suis keblo hein. What the fuck? Is this shit? Par contre quand je pose des torches, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est padé sur ma souris en fait. Attendez. Ouais, si je prends le... Non, je vais dire, si je prends le seau d'eau, il y a vraiment des mobs partout, c'est vraiment des saloperies. Ouais, bref. What the fuck? What? C'est un coup à crever, ces conneries. On va prendre ce qu'il faut pour une table d'enchant, hein, écoutez. Tant qu'on y est. Hop. Bref, c'est complètement buggé. C'est pas grave. Du coup voilà, deux trois petites nouvelles. À part ça, rien de plus. Punaise, ça me saoulait par contre. Hein. Et le pire c'est que j'ai testé, je me demande si c'est pas OBS, j'ai eu aucun bug jusqu'à présent. Et je me demande si c'est pas OBS ou une connerie avec Java. Encore une fois, faudrait que j'ai pas regardé si j'avais des mages Java. On verra bien ça. Voilà, on rentre dans ma chambre, classique, je vais devoir faire du montage après. Bon là, à part ça, il n'y a rien de très... What the fuck? C'est moi ou ça rollback le bloc? What? C'est vraiment buggy du cul, donc c'est combien? C'est bon, j'en ai assez. Punaise, et ça va me saouler. Hein. Ces bugs de lumière. Je suis vraiment désolé. Sans les shaders, je sais vraiment pas qu'est-ce qui peut faire bugger comme ça. Surtout que je pense que c'est quand je record en fait que ça fait bugger. C'est vraiment très très chelou. On va prendre ce qu'il faut pour faire un portail du Nether aussi. Même si je compte pas aller dans le Nether tout de suite. C'est vraiment trop trop dangereux le Nether. On va attendre un petit peu.
Bon, je viendrai miner un autre jour. Ça va me saouler. Sinon, oh punaise. Punaise, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On va les voir. Je viens d'où? Pas courir, je l'ai dit. Hop. Au passage, la redstone, on s'en tape un peu. Vaut mieux le seau d'eau à proximité. Donc là, il doit faire jour. Il doit faire jour. Une fois. Du coup, on va aller visiter le petit bout d'île là. Et après, pour faire spawn des mobs, il suffit juste de faire une grande étendue de terre. Je dirais ça. Ah, ici, vous voyez, il y a du blé. Ah, là, on a de la chance un petit peu. Voilà, pas plus que ça. On a eu une graine supplémentaire. Et là, allez, zéro, merci. Merci le game. Ce serait trop beau sinon, hein. Écoutez. Hop. On va aller là-bas. J'aurais dû me faire plus de torches. Mais je vais torcher un petit peu par ici. Et l'entrée ici pour pas que il y ait de trucs qui pourraient me target de trop loin. Hop. Voilà. Là-bas, il y a un petit bout d'île. Ah, il y a de l'herbe là-bas. Oh, là-bas, c'est intéressant. Oh, c'est très sympa ici. Oh, yes, une graine. Oh, yes, de la canne à sucre. Et ma bouffe qui descend déjà. Hein. C'est chaud. Là, il y a des saumons. Il y a des libellules. J'ai pas envie de les taper au cas où qu'elles m'agressent. On va se faire un bateau et on va aller de l'autre côté. Avec le magnifique bug. Le petit bug. Hop. C'est abusé. Si vous avez une idée d'où ça peut venir, ça, j'attends vos commentaires avec impatience. Par contre, là, le requin, je le sens pas. Est-ce qu'il m'a. J'ai l'impression qu'il me target, hein. Viens dire bonjour. Voilà. Viens. Voilà. Putain, mais il a masé en plus. Il m'a donné quoi? Ah, une dent de requin. Voyons, ça sert à quoi ça? Ok. On peut faire une épée, je vais pas m'amuser. Ok, on peut faire du chainmail avec, logique. Wow, c'est complètement buggé. Cette histoire. YOLO! On se casse! Oui. Oui. Bup. Ah, un petit fox. Donc les renards, je sais qu'ils sont gentils tant qu'on les tape pas. Donc va falloir faire absolument attention. Il y a une limace. C'est intéressant. Ah non. Un criquet ou une. Ou une fourmi, je sais pas. Voilà, avec le magnifique bug. Cool. Des graines en plus, c'est ce qu'il me fallait. Oula, il y a un serpent, j'aime pas ça. Je sais pas si. What the fuck, c'est quoi cette génération? Oh là-bas, il y a une vache. C'est quoi ça? C'est un ninja. Je le sens pas. Ça, c'est un raccoon. Gentil, ami, ami, on est ami, apparemment. Apparemment, il m'agresse pas, donc ça c'est cool. J'ai une vache, je la save au cas où. Mais je vais pas la tuer tout simplement. Pas intéressant, j'aurais plus préféré avoir un mouton ou quoi. D'ailleurs, faudrait, je crois que j'ai assez, faudrait que je me fasse des shears. Faudrait que je me fasse des shears. On va retourner à la maison. Hop. Demi-tour. Oh, il y a des méduses et tout. C'est pas mal. C'est bien fait. Ok, le requin qui vient de dépop. Mais bon. Hop. On esquive. Hop. On ralentit, ralentit. Hop. Et on dismount 3 km après. Hop là. Donc ouais, je pense que je vais faire le tour de cette île en bateau.
jusqu'à voir des moutons. Oh yes. Et j'ai même de quoi me faire un flint and steel en plus. Donc ça, j'ai pas besoin. Ça, je le mets ici, au cas où. On va prendre le bateau. On va prendre ce bateau-là. J'ai rien à bouffer. Attendez. Attendez, attendez. Non, c'était une fleur. On va planter ça. Rien! Ça m'a pas donné de graines, vous avez vu? Ça me l'a fait déjà plein de fois. Off. Et du coup, à chaque fois, je perds des pousses, quoi. C'est hyper embêtant. Du coup, on va générer. Je sens que je vais me taper du lag de ouf. D'ailleurs, vu qu'on sait que c'est pas les shaders qui font bugger. Allez. Tellement beau. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Full requin. Du coup, on voit pas très bien là-haut. J'ai pris le bon shader. Ouais, le style dur. Ça, je m'en fiche un peu, à vrai dire. J'aimerais voir des baits. C'est très très beau. Ah, me dites pas que c'est une île foireuse, ça aussi. Sinon, je prendrais mes pousses et j'irai m'installer ailleurs. Ah non! Ah là c'est de suite un petit peu moins foireux. Ah les mountains c'est pas mal aussi. Il y a des vaches! Il y a des vaches dans ça. Habituellement. Généralement dans ce biome là, il y a des vaches. Hop. Me dites pas que la nuit va tomber, sinon je vais me suicider. Et j'ai bien peur que si... Si. Ok, il fait nuit. Il y a des chevaux, il y a deux trois trucs, il y a des champis rouges. Fuck. On va faire ça. On va faire ça, on va rentrer à la maison. Ah putain, c'est vraiment un épisode où on fout vraiment rien. Je pense que je me chargerai, je viendrai m'installer ici parce que l'île, c'est trop petit. Si à chaque fois je suis obligé de faire des allers-retours comme ça, c'est trop de temps perdu. Même si l'île c'est vachement safe, comme ça il n'y a vraiment rien qui peut spawner autour sauf des élémentaires d'eau. Ce qui m'est déjà arrivé. Sinon ouais, ça peut être safe, c'est pas mal. Surtout les montagnes là, même s'il y a des chevaux, je les tue, je leur pique le cuir. Ou c'est toujours ça. En tout cas on la voit bien notre île. Ça. Les araignées aussi on les voit bien. Mais bon. C'est un autre problème. Mais du coup, je n'ai pas. On voit qu'il y a un requin pas très loin. Ah. Voilà. Oh. GG. C'est magnifique. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à faire à part attendre le jour. Toi, tu vas mourir. Voilà. Viens. Viens ici. Ils ont pas une tête très méchante les requins, mais j'ai l'impression qu'ils targetent à chaque fois. Hop, voilà. Voilà, comme ça j'ai des dents de requins. Des gangs de requins, non c'était nul. Donc j'ai ça. J'ai planté ça, la canne à sucre, tant que j'y suis. Hop, 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 hop. Voilà, donc j'aurai un petit peu de canne à sucre. C'est toujours ça. Je vais me faire quelques torches en plus. Vu que j'ai tout posé. Plus. Hop. Hop, 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 8. Voilà. Là, j'ai ce qu'il faut. Je peux me faire un pain. J'avais même pas vu que j'en avais là. Hop, un pain en plus. Donc, c'est vraiment relou, ça aussi, la bouffe. C'est pour ça que si je vais dans les montagnes, j'aurai vachement plus de bouffe. Et qui dit montagne, après dit plaine, je crois, si je dis pas de conneries. On croise les doigts. Putain. Et rien donné, encore une fois. C'est vraiment, vraiment chiant. Mais, what? Mais le jeu, il me guac. Le jeu, il me guac. Il veut pas que je mange. On va se barrer d'ici rapido. On va se barrer d'ici rapido. Donc, écoutez,
Je vais faire mes clics et mes claques et on va se barrer d'ici. Non, ça j'en ai un peu rien à taper. Ça aussi, je prends juste un stack. Une fleur, ça on s'en fiche. Peut-être les saplings. Les saplings, ça peut être intéressant. Le nether quartz. Non, j'irai dans le nether de toute façon. Je vais prendre ça. J'ai récupéré le peu de graines que j'ai. Hein. Voilà, au moins là, ça drop. Hop, 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 hop. Voilà. Tac, voilà. Récupère ça. Ça et ça. Et on fera ça dans le prochain épisode. Ah ah, épisode un peu court d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas loot ça. Voilà. Épisode un peu court. Mais on va aller s'installer là-bas dans le prochain épisode. Je pense que ça serait une très très bonne idée. Parce qu'ici ça pue du cul, on va se l'avouer. Hein. Donc maintenant que je sais qu'il y a des montagnes, on va aller sous dans les montagnes. What the fuck, regardez ça. Un ogre. Donc dans les montagnes, je pense qu'il va falloir torcher direct. Mettre des torches partout. Et se faire une muraille. Donc à la limite... ça j'en ai un peu rien à foutre. Une flèche. Ok. Je vois pas à quoi ça pourrait me servir. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Du coup, on va se retrouver dans le prochain épisode, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Aussi, on m'avait dit que ça buguait trop en 60 FPS. Je suis vraiment désolé si vos connexions peuvent pas le tenir ou votre ordinateur, mais c'est pas trop de ma faute. Donc le 720p 60 FPS, ça me semble être un bon compromis. En tout cas, moi, ça me plaît. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine... dans le prochain épisode plutôt. Allez faire un tour sur 120 informatique, sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. Allez, à la prochaine. Bug de Chunk.